Évaluation et diagnostic, compréhension du décrit, page numéro 7. Je lis un texte. Plus tard, je serai. Quand je serai grand, dit Ilias, je serai pompier. Pourquoi ? Demande Titrit. C'est un beau métier. Je pourrais éteindre des incendies et sauver des vies. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire, dit Vray. Réfléchis à quelque chose que tu aimes faire. Conseil Titrit. Dessinateur. Tu aimes dessiner et tu le fais très bien, dit Ilias. Moi, dit Titrit, j'hésite entre pâtissière et maîtresse. Alors, vous allez lire le texte silencieusement deux ou trois fois. Après, on passe à la compréhension. Premièrement, souligne le titre du texte. Numéro 2, entoure les prénoms cités dans le texte. Karim, Brahim, Ilias, Reda, Titrit. Alors vous allez entourer les pronoms cités dans le texte. Numéro 3, relie chaque métier à sa définition. Vous allez relier chaque métier à sa définition. Alors un dessinateur, une pâtissière, un pompier. Métier de celui qui éteint des incendies. Métier de celui qui dessine. Métier de celle qui prépare des gâteaux. Alors vous tournez la page, page numéro 8. Recopier ces mots dans la colonne qui convient. Un biberon, un coquillage, la ville, une fille, il brille, du fil. Alors, on a deux colonnes. Premièrement, je vois I ou Y et j'entends I. Deuxième colonne, je vois I ou Y et j'entends I. Complète les devinettes. Numéro 5, elle donne du miel, c'est une... Alors, qui est-ce qui donne du miel? Le jour, il brille dans le ciel, c'est le... Numéro 6, trouve deux mots dans le texte contenant le son « on », comme « dans », pantalon par exemple.